Hey, bonjour à tous, moi c'est Taiki et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un jeu qui vient de sortir il y a seulement quelques jours. Il s'appelle Everspace et c'est un roguelike spatial, voilà, qui est en early access. Il est extrêmement prometteur, il est aussi extrêmement beau, enfin plutôt sympathique graphiquement, vous allez voir ça tout de suite. Donc voilà, on va le découvrir ensemble, même si j'ai déjà joué un tout petit peu, j'ai fait une run déjà d'une heure à peu près, d'une demi-heure, une heure. Donc voilà, je connais pas tout du jeu, donc on va jouer ensemble et voilà, on va découvrir au fur et à mesure ce qui se passe dans ce jeu. Allez, c'est parti. Et nous voici pour une nouvelle run sur ce jeu, sur Everspace. Incroyable. Alors bon, j'ai un peu triché, je suis au deuxième secteur, voilà. Je ne suis pas au tout premier secteur dans lequel on arrive, parce que le tout premier en fait était tout pourri. Il y avait vraiment rien, donc c'était pas un bon secteur pour démarrer une nouvelle partie, du moins pour faire l'intro. Donc j'ai préféré passer au deuxième secteur et directement on va miner des ressources, voilà. De l'or plus exactement. Parce que l'or ça va m'être utile, je sais pas exactement pourquoi, pour crafter des choses forcément, mais je sais pas quoi encore, des armes certainement, peut-être des boucliers, des trucs incroyables. Donc on va miner un petit peu, voilà, et au fur et à mesure je récupère les ressources avec mon vaisseau, voilà, directement. Voilà, un peu d'or, ça fait toujours du bien. Et donc comme vous pouvez le voir directement, le jeu est plutôt beau, alors que là je vois des ennemis au loin. Ils risquent de me faire chier, mais je pense que je vais aller au combat, parce que je suis un homme, voilà, je vous le dis, j'ai pas peur moi. Je suis un malade. Et comme je vous le disais, oui, le jeu est plutôt beau, comme vous pouvez l'apercevoir maintenant. Voilà, il m'attaque directement. J'aurais dû être plus précautionneux. Parce que là j'ai fait n'importe quoi. Je vous parlais et en même temps, je faisais pas attention à ce qu'il faisait. C'est salaud. Je vais lancer un missile. Lui, il va pas me résister. Il va pas faire deux secondes. Il est déjà presque mort parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a un système de vie, évidemment. La coque peut être endommagée, mais également un système de bouclier. Voilà, comme dans tout bon jeu spatial, j'ai envie de dire. Allez, bim, la Gatling. Et ça, ça fait mal. Ça fait très très mal. Oh, la petite explosion. Je crois que j'avais encore jamais vu un vaisseau exploser de la sorte. Bref, en même temps, j'ai pas joué longtemps, donc bon. J'ai pas tué des milliers d'ennemis non plus. Encore des ennemis. Il y a, je crois qu'il y a trois vaisseaux. Non. Il y a plus de trois vaisseaux qui arrivent vers moi. Je crois bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se propulser vers le secteur suivant. Parce que là, je sens que je vais pas faire le poids. Je ne vais pas faire le poids. Ça va pas le faire. Donc là il faut que je fonce vers ce truc vert là. Et ça va directement me passer au secteur suivant, bordel. Je vais pas le faire, je vais pas avoir le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner autour d'un astéroïde. Voilà, on va essayer de se cacher un petit peu là, par ici, on va jouer les fourbes. Voilà, ici on est bien. Ici on est pas mal. Combien y a d'ennemis là? Il y en a deux. Je crois qu'il y en a deux qui me poursuivent là. Ok, j'essaye de jouer aux fourbes, j'y arrive pas. Ah bim. Un missile. Un de plus! Merde! Est-ce qu'il va l'atteindre? Il atteint mon missile ou quoi? Je sais pas. J'ai un doute. Je sais pas si mon deuxième missile a atteint sa cible ou pas. Merde, je fais n'importe quoi. Il y a trop d'ennemis là. Je sais pas combien il y en a. Il y en a trois. Je crois qu'il y en a trois derrière moi. J'en ai bien amoché un. Hein. Je crois que c'est lui. Ouais, c'est lui que j'ai bien amoché. C'est lui. Mais je sens que je fais pas le poids. Donc je vais aller ailleurs. Dans d'autres contrées. Vers un vaisseau là-bas. En espérant qu'il y ait des alliés. Je sais pas. On va voir. Peut-être qu'il y aura pas d'alliés du tout. Dans ce cas-là, je pleurerai, je serai triste. Ah putain, j'ai plus de boost, j'ai l'impression. Ah si, j'ai encore un boost, je crois. Non, ça ne marche pas. J'essaye de faire X pour activer une capacité spéciale qui m'aurait permis d'avancer hyper rapidement, encore plus que je le fais maintenant là. Mais ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Allez, s'il vous plaît, la faites pop des alliés là. Des alliés, je demande des alliés. Il n'y a pas d'alliés qui vient à ma rescousse. Tant pis, on va essayer de se téléporter. Allez, on vise ça. Ça va pas le faire, je vais pas avoir le temps. Hein. Je ne vais pas avoir le temps, il faut que je le pète. Hein. Il faut que je les pète. Il faut que je les tue. Il faut que je les détruise. Oh, il va bien trop vite. Il se joue de moi. Regardez-moi ça. Il tourne autour de moi. Ça n'a aucun sens ce qu'il fait. Enfin, si, ça a du sens. Il essaie de me perturber. Mais il sait pas qui l'affaire. Je sais pas. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, bordel? Putain, il est intenable. Intenable, le mec. Ils sont 2, 3, 4, 1000, 1 million, 1 milliard. Je fais pas le poids, je suis nul. Je suis mauvais. Mais en même temps, c'est une tactique dès le début d'essayer de ne pas se prendre de dégâts. Voilà, et de se cacher un petit peu. Voilà, jouer aux faibles. Ça permet de se sauver de mauvais coups des fois. Hein. Là, oh putain, mais c'est pas possible. J'aurai jamais le temps de me téléporter. Allez, missile. Missile, j'en ai rien à foutre. Missile, deuxième missile, j'en ai rien à foutre. Voilà, bim. Détruit. Donc il y en a un en moins. Ça va me faciliter la tâche, je crois, je pense.
Aïe, mon bouclier descend beaucoup. Ah oui, en fait, mon bouclier, il est en haut à droite. Je sais pas si vous voyez. En haut à gauche, pardon. Je confonds dans l'excitation du combat. Je confonds ma droite et ma gauche. Donc, en haut à gauche, en gris, enfin, en transparent maintenant, vous voyez ma jauge de bouclier. Et en rouge, juste en dessous, c'est ma jauge de, bah, de vie, en gros. Ma coque. Allez, on se téléporte, on est bien parti. Allez, on va le faire. On va... Ah! Faut pas que je dévie du point vert. On va le faire. On va se téléporter, bordel. C'est notre chance, c'est maintenant. Oui. Oh là 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 là, c'est fantastique. J'ai réussi à m'échapper. Mon dieu, j'ai honte. J'ai honte de moi, j'ai honte de mes gameplays. C'est pas grave, vous me connaissez maintenant. Vous connaissez mon skill. Ça devrait plus vous surprendre, plus du tout. Ok, donc là aussi, dans le secteur suivant, il y a des ennemis. Il y en a deux. J'ai usé combien de missiles? Ah bah j'en avais 20 à la base, j'en ai usé 5. Il m'en reste 15, ok. Et donc, comme... oui, je vous ai pas tout expliqué parce que j'étais dans la tension du combat. Vous comprendrez aisément, je pense. Et donc, en haut, dans la barre HUD du centre, en haut. Enfin, en haut au centre, quoi. Vous voyez mon équipement, donc j'ai une Gatling, j'ai des missiles, j'ai un truc Energized Boost qui me permet d'aller très 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 rapidement, très très vite, quoi. You've been detected. Merde, j'ai été détecté. Et j'ai un scanning probe qui me permet de scanner tout mon environnement d'un coup pour repérer des ressources dans mon environnement, en fait. Voilà. Donc voici tout mon équipement. Et évidemment, je peux en changer, je peux en trouver d'autres, je peux en crafter d'autres, je peux en échanger d'autres. Enfin, je peux faire plein de choses, quoi. Et mais pour l'instant, j'ai celui-ci qui est celui de base. Et les ennemis arrivent. Les ennemis vont me faire chier. Je vais changer d'arme, là. Je vais m'équiper du pulse laser. Parce que oui, j'ai une autre arme qui est cachée, hein. Je vous l'ai pas dit. Car je suis un fourbe. J'ai une autre arme avec laquelle je peux alterner entre la Gatling et le pulse laser. Donc on va utiliser le pulse laser pour l'instant. Ah bah il est faible celui-ci. C'est quoi? Ah mais il est ridicule ce vaisseau. Merde. Faut pas que je me cogne contre les astéroïdes. Il est ridicule, regarde-moi ça, qu'il est ridicule. Il est faible, c'est un faible. J'ai de la chance, je suis tombé sur un faible. Je suis tombé sur un apprenti voyou de l'espace. Allez, crève. Crève s'il te plaît, merci. Merci. Ok. Je prends un petit peu de ressources. Par contre, il y a son pote là, si ça se trouve, c'est un malade. On ne sait pas, donc on ne va pas y aller. Donc je vais scanner mon environnement. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Bim! Scan! Et normalement, ça va me repérer des ressources. Eh oui, voilà, regardez-moi ça. Tous les points jaunes, tout ce qui est entouré par des petits carrés jaunes, c'est les ressources que je peux récolter. Donc on va aller récolter tout ça. Et peut-être que je trouverai, je sais pas moi, des équipements supplémentaires, des armes différentes. Des choses comme ça, ou même de l'argent qui servira à augmenter mes perks si je crève. Donc si je crève, enfin je vous montrerai ça si je crève, voilà. Bon, j'expliquerai ça plus tard. Bref, pour l'instant, je vais péter un container, parce que quand on pète un container, on peut avoir accès à des objets. Oh, magnifique, magnifique. Alors attention, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux échanger là? Qu'est-ce qui me drop là, le container? Il me drop un thermogun. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moins bien que mon arme actuelle, que le pulse laser? Bref, allez, on s'en fout, on est des malades, on va tester. Je vais la prendre, et l'autre, je vais la salvage. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, quoi, je vais la détruire pour récolter des ressources, quoi. Pour obtenir des ressources. Donc voilà, ça c'est fait. On a changé d'arme. Est-ce que je l'ai équipé? Non. Voilà, je m'en équipe là maintenant. C'est plus français, oui. Et je vais la tester tout de suite. Oh, magnifique, on dirait des feux d'artifice. Bon, c'est pas tout, mais il y a encore plein de ressources à aller chercher, là. Et ben, on va faire tout ça. Il y a un autre container que je vois là à 2 km, donc je vais activer mon power boost. Ça a failli être ridicule. Ça a failli être ridicule parce que là, si je me prenais l'astéroïde. Ah, missile! Putain, je l'ai évité de peu. De tellement peu. Non, il me cible encore avec un autre missile. Viens d'où celui-là? Là! Je l'évite! Je suis malade! Oh, je me suis pris un astéroïde là. J'ai perdu du bouclier. Ah, mais ils ont combien de missiles? Ils ont combien de missiles, c'est con là? Ça se trouve, c'est une tourelle. Je pense que c'est une tourelle, peut-être. Je suis pas sûr. Oui, c'est une tourelle. C'est une tourelle qui fait ça. Donc, je vais la détruire, oh, bordel. Je vais la détruire. Vous croyez en moi? Je crois en moi. Je crois en mon skill légendaire. Non, putain, je vais crever. Il y a deux missiles. Un vaisseau qui me poursuit. Voilà, c'est fini. C'est terminé. J'ai pas fait long feu, voilà. Bon, combien? 12 minutes de jeu à peine. Déjà mort. C'est ridicule. Mais en même temps, bon, il y avait deux tourelles, peut-être deux ennemis qui me poursuivaient. C'est pas facile. Mais au moins, ça va me permettre de vous montrer le menu
quand on crève. Donc c'est ce menu là où en gros on peut choisir son vaisseau, admirer son vaisseau et le choisir. Bon, pour l'instant il n'y en a qu'un, donc on peut pas vraiment le choisir, mais je mens un petit peu, hein. Mais plus tard, quand le jeu sera sorti de son early access, il y en aura 3, voilà, que je peux peut-être vous montrer là. Voilà, il y aura celui-ci qui ressemble un peu à un vaisseau Star Wars, je crois. Ouais, ça me fait penser à Star Wars. Et il y aura aussi celui-là, voilà, qui est très mystérieux. Donc voilà, mais pour l'instant on a que celui-là en magasin, voilà, si je puis dire. Et le système de perks dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien c'est celui-ci, voilà. Donc on peut augmenter plein de choses, on peut augmenter, je sais pas moi, son bouclier, ici. On peut augmenter la puissance de ses armes, la puissance de son boost, enfin plein de choses. Et en fait, tout ça, ça s'achète via des crédits que l'on trouve en jeu directement. Donc tu fais une run, tu trouves plein de crédits, tu les dépenses directement après ta mort, parce que sinon ils disparaissent, et tu peux crever autant de fois que tu veux, tes perks seront sauvegardés en fait. Voilà. Donc ça fait un petit peu penser à Rogue Legacy dans la manière de fonctionner. Voilà. Je ne connais absolument pas ce jeu, mais je sais qu'il fonctionne comme ça. Bon allez, j'en ai rien à foutre. Je lance une nouvelle run maintenant. Voilà. Et on va faire mieux. On va faire beaucoup mieux. Oh ! Oh ! Oui, c'est le cri de l'étonnement. C'est incroyable. C'est un nouveau cri que je viens de lancer sur la chaîne. S'il pouvait fermer sa gueule, ça m'arrangerait. En toute honnêteté. Non mais je waouh quoi, c'est beau. Non, c'est vraiment beau. J'étais encore jamais tombé sur ce genre de décor avec comme ça une sorte de terre embrasée. C'est pas un soleil, hein. Non, c'est pas un soleil, c'est une sorte de planète volcanique, si on peut dire. Enfin, ça a l'air en tout cas, et c'est vachement beau. C'est très très beau. Bref, oh, ça se fight là-bas. Ça se fight. Bon, je sais pas si j'irai très loin dans cette run aussi, mais c'est pas grave, on est là pour prendre du plaisir, voilà, pour découvrir un petit peu le jeu, pour vous le présenter rapidement, voilà, pour vous donner une idée de quoi ça ressemble et pour vous dire que voilà, qu'il existe. Allez, on va se le faire, bordel. C'est peut-être pas moi qui va le tuer, mais c'est pas grave. J'aurais mis ma petite pierre à l'édifice. Il est où? Il est mort? Ah bah il est mort. Il est mort dans une superbe explosion. Non, c'était magnifique, c'était une belle mort. On va récupérer du gel. J'ai jamais récupéré de gel. De quoi ça va me servir? Certainement pas à me coiffer. J'ai honte de cette blague. Vous savez dans ma tête ce que ça a fait? J'ai failli ne pas la sortir. Je l'avoue, j'ai hésité, je l'avoue. Et je pense que c'était une erreur. Une grosse erreur, une grave erreur. Je pense que je vais perdre des abonnés sur cette blague. Ouais, je pense, sincèrement. C'est pas grave, j'assume. J'assume tous mes actes. Bref, allez, des crédits. Magnifique. Donc les crédits, on les prend et on va aller looter je ne sais quoi, je ne sais où. Ah ok, je me rends compte d'un truc. C'est qu'en fait je ne peux pas m'échapper de ce secteur qui est très stylé. Parce que il y a mon... Si vous voyez le message en rouge là qui s'affiche en haut à droite, il y a mon... Il y a mon saut supersonique, je sais pas comment on appelle ça. C'est certainement pas l'appellation, mais c'est pas grave. Qui est bloqué en fait. Ce saut là est bloqué par quelque chose que je dois trouver. Certainement une sorte de... Je sais pas, de brouilleur ennemi là qui m'empêche de faire un saut spatio-temporel incroyable vers un autre secteur. Donc faut que je le trouve et on se rapproche du signal. Le signal est à 30% désormais. On se rapproche, c'est bon signe. Ah, attendez, parce que là il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que plus je m'approche de la terre là en dessous là, de la terre enflammée, plus le signal augmente. Mais alors est-ce que... Ah mais non, que je suis con, le signal il est ici. Il est là le signal, ben oui. Il est là. Moi je me rapprochais de la terre brûlée là, et je me disais que peut-être que j'allais atterrir sur la planète, mais non, pas du tout. Ça aurait été trop beau. Je me disais bien aussi qu'ils n'avaient pas modélisé de planète, c'était bien trop beau. Non, c'est ce signal là qu'il faut que je pète, qui était en fait dans l'espace là, mais je l'avais pas vu. J'avais pas vu l'icône. Ben, je crois qu'il faut que je le détruise, il me semble. Je vais lancer un missile dessus, peut-être. Aïe aïe aïe. Ah non, il faut que je le hack. Ok, je le hack. Ok, d'accord, très bien. C'était encore une fois ridicule ce que je viens de faire, j'ai failli me... complètement détruire mon vaisseau, mais c'est pas grave. Ok, donc il faut que je hack, j'avais pas vu, mais il y a un deuxième truc à hacker juste ici, voilà. Car je suis une bille. Donc je n'avais pas vu ça. Et là, j'ai trop attendu, si vous voulez. J'ai bien trop attendu dans... Ah, bien trop patienté dans ce secteur là. Je me suis trop attardé et du coup, il y a des sortes d'escadrilles de l'espace qui essayent de me détruire. Et ils vont me détruire d'ailleurs, ils vont me détruire parce qu'ils sont trop badass. Aïe. Ils vont me détruire, je suis foutu. À moins d'un miracle. Oui, energy boost maximum. Allez, on y est. On les a brain, oui, magnifique.
Waouh, putain, secteur 2. Magnifique encore. Magnifique. Une sorte de... Comment on pourrait appeler ça? C'est une sorte de... C'est pas vraiment un soleil là aussi, hein. C'est une sorte de... Je sais pas. Naine rouge ou... Appelez ça comme vous voulez. S'il y en a qui ont la réponse dans... qui la donne dans les commentaires. Voilà. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de planète. On dirait une sorte de soleil éteint. Voilà. C'est très bizarre. Ou une lune... Une lune embrasée, bordel. C'est ça que je voulais dire. Et là, je suis encore perturbé, là. Fais chier. Ces ennemis, là. Ces voyous de l'espace. Ils ont que ça à faire de m'emmerder, là. Putain. Je vais encore jouer les fourbes, là. En tournoyant autour d'une comète. Un astéroïde. Allez. Bon, lui aussi, il a l'air pourri. Allez, il est nul à chier. Fantastique. Quel skill. Incroyable. Aïe, j'ai failli me prendre le rocher là. Il y en a encore un. Je crois qu'il y en a encore plus qu'un. A mon avis, il y en a plus qu'un. Et voilà, bim, ça c'était un drone. Je pense que c'était un drone, c'était pas un vaisseau. Et il y a un autre ennemi là qui se fait attaquer par des alliés. Donc on va les aider, hein. On va les aider parce qu'on est comme ça, hein. On est comme ça chez l'Attaki Family. Voilà. Je pense qu'il se fait détruire là. Oh là oui. Oh là. Ah oui. Effectivement. Ouais, il avait aucune chance. Ils étaient bien trop nombreux en face. Bien trop. Bravo les gars. Bien joué. Bon, on va faire un petit scan. Comme d'hab. Enfin comme d'hab, ça fait que la deuxième fois que je le fais. Mais comme d'hab pour moi quoi. Hors vidéo je veux dire. Parce que oui, j'ai fait quand même quelques scans dans ma vie, je dois dire, hein. Je suis voilà. Je suis pas un débutant dans le domaine. Hein. Je rêve ou la planète d'en dessous a l'air habitée. On dirait des sortes de lumières de ville. On dirait qu'ils ont voulu simuler une sorte de planète, ouais, habitée ou habitable. A few moments later. They've locked onto you. Oh, des ennemis. So annoying. Mais pourquoi? J'ai pas compris. Moi j'étais juste là en ami, bordel. J'ai l'impression que tous mes amis, là, tous mes alliés neutres, ils sont retournés contre moi d'un coup. Je pense qu'il fallait pas que je prenne leur container là, à mon avis. Bordel, qu'est-ce que je suis con, pourquoi j'ai fait ça? Quelle erreur, bordel. Erreur de débutant. Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Là la question, non, je vais crever, on est d'accord. C'est impossible, ils sont des milliers, des millions. C'est n'importe quoi. Je vois des tirs partout, heureusement je les évite un tout petit peu là. C'est un miracle que je me prenne pas plus de dégâts là. Mais je peux même pas m'échapper en fait. Y'a même pas le passage temporel là, pour aller au secteur suivant, là. C'est n'importe quoi. Bon, allez, je vais crever. C'est bon, j'abandonne. Allez, tuez-moi. Je meurs en martyr. C'est ça. Et ça, ils pourront pas me le voler, ça. Oh que non. C'est ridicule ce que je fais. Ridicule. A ship requires assistance against raiding outlaws. A reward has been offered for your support. Ok, donc là il y a le mec, je sais pas si vous avez entendu, je sais pas si je vais le mettre au montage, mais qui vient de me dire que voilà, qu'il y a un mec que je crois qu'il se fait attaquer. Et que si je l'aide, j'ai droit à une récompense. Donc on va essayer de l'aider. Vous voyez, ah bah merde, il s'est fait détruire. C'est ridicule, je voulais aller l'aider. Et le mec il est. Ah, il est mort comme une merde. Et moi je me fais attaquer, évidemment, ça devait pas se passer autrement. Ça ne pouvait pas se passer autrement. J'ai un karma de merde de toute façon, hein. Sur ce jeu là, de plus en plus. Putain, mais c'est n'importe quoi, ils sont bien trop nombreux. Pourquoi j'ai autant d'ennemis dès le début là? Ça n'a plus aucun sens ces runs. Plus aucun sens du tout. C'est-à-dire, dès le début, il ne me laisse aucune chance. J'ai bon espoir que cet astéroïde soit creux pour que je puisse m'y réfugier. Donc on va tourner autour. Aïe, putain, j'ai failli le prendre. mais il a pas l'air creux ce truc là. Peut-être là, et non. Et si, oh là là, fantastique ça. Quel talent pour repérer les bons plans, hein. Ah, d'où il vient lui? Il est où? Il est là. On ne la fera pas deux fois. Même si cette situation ne s'est encore jamais produite en vidéo, on me la frappe pas deux fois quand même, hein. Parce que moi j'ai vécu ça hors vidéo, et je peux vous dire que, hein, bon. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Oui, encore une fois. Bon, en attendant, on va récolter les ressources, voilà, dans l'astéroïde. Parce qu'on a que ça à foutre. Oh, il s'aventure dans l'astéroïde. Combat d'astéroïde. Incroyable. Missile. Deuxième missile. Je l'enchaîne avec mon petit truc là, mon petit pulse laser. J'allais dire un pistolet laser, mais non, ce n'est pas un pistolet laser, c'est un pulse laser. C'est totalement différent. Et là, je vais me barrer de ce secteur. Je vais me barrer. Parce que c'est bien trop dangereux. C'est bien trop dangereux, je vous le dis, moi.
J'ai pas envie de crever une millième fois. Allez, on est parti! Alors, je sais pas si je vous ai montré le menu au final, j'ai pas le souvenir, je crois pas, mais donc on peut, évidemment, quand on change de secteur, on peut choisir le secteur où on va atterrir ensuite. Et là, bah, j'ai le choix entre trois. Donc, apparemment, il y a deux secteurs qui sont à risque, celui d'en haut et celui d'en bas. Donc, on va choisir celui où il y a le moins de risque, hein, bon, hein, parce qu'on est comme ça. Allez, on va choisir celui du milieu, parce que ça nous laissera le plus de chances possible pour survivre. Et c'est ça qu'on veut. Ok, donc ce que je vais faire là, malgré le fait qu'il y ait des ennemis pas loin, je pense qu'ils vont me... Ouais, ils vont me repérer. C'est pas grave, je vais aller dans ce nuage de plasma. Et en fait là, pour récolter les ressources, ici, il y a juste à se mettre dans le nuage. Et ça récolte des ressources comme ça, de plasma, automatiquement. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est de la haute technologie, je peux vous le dire. Et je vais pas m'attarder dans ce secteur non plus, parce que, bon, j'ai pas envie de me battre là tout de suite. Et je vais avancer le plus loin possible, parce qu'il y a des choses que je... En fait, que je vous ai pas montré, voilà. A few moments later. Nouveau secteur, bim. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a une sorte de... Bah, c'est même pas une sorte, c'est une porte gigantesque de saut spatio-temporel. Et merde, je me fais déjà repérer. Ça suffit maintenant, là. Putain, je peux rien faire, quoi. Je peux pas bouger un aileron, quoi. Merde. Donc on va aller par ici pour se réfugier. Parce qu'il y a l'air d'avoir des alliés, donc je pense pas que les mecs oseront venir se battre ici. Enfin, je crois pas, j'espère pas. On va récolter du gaz, qui est juste ici, c'était pas prévu, mais bon, tant qu'il est là, voilà, on le récolte. Et donc, oui, comme je vous le disais, il y a une énorme porte de ce saut spatio-temporel qui va nous permettre en fait de changer de. Bah, de passer à un autre secteur, mais là, de passer en quelque sorte à une autre galaxie, si on peut dire. Parce que là, on enchaînait des secteurs au sein d'une même galaxie, on va dire. D'un ensemble de secteurs, et là on va complètement passer dans un autre ensemble de secteurs, quoi, une autre galaxie. Moi je vais appeler ça une galaxie. Donc on va le faire directement parce que j'ai hâte de voir ce qu'il y a après. Je crois que je suis jamais allé dans une seconde galaxie, donc j'ai hâte de voir ça. Oh, secteur 2. I would prefer more substance to your answers. Aïe aïe aïe, putain, j'étais en train de récolter tranquillement des ressources là. Tiens, celui-ci m'a un peu énervé là, il vient m'énerver tout de suite là. Il va crever, il tourne autour de moi. Mais il sait que sa fin est proche, il le sait pour lui. Bim, missile, et voilà mon gars, fini. Bon, je fais le malin, hein, mais il y a plein d'ennemis là. Enfin, il y en a 2-3 quoi. Ok. On va jouer les fourbes, encore une fois. On va jouer les fourbes. Et sur combien? Je crois qu'il y en a plus que 2-3, en fait. Missile. Ok, je l'ai bien amoché. Mais il y a son pote qui est juste derrière moi, là. Putain. Ils sont combien, là? J'arrive pas à les compter. J'ai l'impression qu'ils sont plus de 2 ou 3, là. Oh, ouais, ils sont plus de 2 ou 3, là. Ça va pas du tout. Je vais me barrer. Je peux pas faire le boost, là. Allez, bim. Boost supersonique. Fantastique. Quelle tactique incroyable. Combien ils sont? J'en vois qu'un. C'était peut-être une tourelle qui me visait, non? Ah non, c'était des drones. J'ai l'impression qu'il y a des drones qui me suivent. Je crois, si je dis pas de conneries. Tiens, il revient en combat, hein. C'est un malade. Il a pas peur. Il a pas eu peur de missiles, finalement. Il a pas peur de crever. Il a pas peur de la mort. Ça m'intrigue. Oh non, c'est quoi ça? Une sorte de jet de laser bleu, là, qui m'est arrivé sur la gueule. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas si c'est lui qui l'a lancé. Je suis pas sûr. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il est mort, là. ça, c'est un fait, ok. Ça m'enchante, pour tout vous dire. Là, il y a ses potes. Ils sont juste là, mais c'est des drones. Les drones, dans ce jeu-là, c'est pourri, quoi. Ils se détruisent en 2 secondes. Ok. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. Là, je suis en train de voir que je récolte du fuel. Évidemment, dans ce jeu-là, voilà, et je pense que je vais pas tarder à terminer, d'ailleurs. Mais dans ce jeu-là, on a du fuel, de l'essence, pour pouvoir avancer de secteur en secteur. Et il est représenté par la jauge qui est tout en haut, enfin le carré qui est en haut à droite. Là pour l'instant j'ai plus que 36 de fuel. Et donc ça va être chaud si je veux avancer encore beaucoup plus loin dans le jeu, quoi, dans ma run. Et donc il va falloir que je trouve du fuel très rapidement, sinon je vais être en galère, je vous le dis. Putain, il y a encore des ennemis pendant que je mine, quoi, merde, pendant que je loot. Allez, putain, je veux récupérer l'or. Et je suis arrivé. Ok, ils sont deux. Ils ont l'air puissants. Ils ont l'air pas mal.
pas grave, j'ai lancé un missile sur un. Reste plus qu'à le défoncer. Allez. Ah putain, je lui ai fait plein de dégâts là. C'est bien. C'est bon. Gatling. J'ai sorti ma Gatling. Là, s'il crève pas là dans les 5 secondes, c'est un miracle. Et voilà, le miracle n'a pas eu lieu. Il est mort. Il a succombé à mon talent. Oui, oui, c'est possible. Il y a son pote qui va pas tarder aussi à le rejoindre dans l'au-delà. Allez. Lui aussi, il fait des petits tours là. C'est ridicule. C'est ridicule. Il croit m'impressionner avec ses petits tours là, ses petits cercles autour de moi. J'ai l'impression que son bouclier se régénère assez vite. Je sais pas si c'est qu'une impression ou pas. Oh putain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté un truc de kamikaze. C'est un kamikaze lui. C'est un kamikaze. Je l'ai cerné, c'est un kamikaze. Ah et voilà. C'est ce que j'ai... Bref. Bref, ma phrase n'a pas voulu sortir, voilà. C'est tout. C'est un accident de commentary. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, je m'éloigne, j'ai compris. Fallait pas vous déranger, j'ai compris. Je m'éloigne, puisque là il y avait deux tourelles avec des missiles ennemis, évidemment. Et voilà, elles voulaient être toutes seules, quoi. Elles voulaient avoir leur intimité, donc on les laisse, hein. Ah merde. Il y a les méchants qui arrivent là. Parce que quand, je sais pas si je l'ai bien expliqué tout à l'heure, mais quand on s'attarde trop dans un secteur... Merde, obstacle blocks away. Quand on s'attarde trop dans un secteur comme celui-là, eh bien, il y a des sortes d'ennemis qui sortent de je ne sais où et qui vous attaquent pour je ne sais quelle raison. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Allez, vous savez quoi? Pour terminer cette vidéo, car ça fait déjà longtemps que je recorde, on va aller dans un secteur à haut risque. Car on est des fous. Car je suis un fou. Bon... Pour l'instant, je vois pas ce qu'il y a comme risque là dans ce secteur. Je vois que ça tire un petit peu là-bas, même beaucoup là-bas. Je vais faire un scan. Je vais faire un scan tout de suite. Pour voir ce qu'il peut y avoir aux alentours. Ah ouais, ça se bat carrément. Ah, on va y aller. Aïe, 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 aïe. Ah, ils font mal. Ah, ils font mal. Ah, ils font très mal. Ils font très très mal. Il y a un petit drone là. Le drone. Ah, j'ai l'impression que le drone il est puissant. Voilà, drone détruit. Drone détruit. Aïe, je sais pas si j'ai pris la bonne décision là en essayant d'aller au combat. Mais c'est pas grave, c'est pour la beauté du geste. C'est pour la beauté du skill. Ça va être dur. Ah, ça va être dur de résister là. Je vais me cacher derrière le rocher là, l'astéroïde. Il va pas comprendre ce qui va lui arriver, attention, missile. Missile. Oh, ça lui a rien fait. J'ai l'impression que ça lui a même pas enlevé un peu de son bouclier. Enfin si, ça lui a forcément enlevé un petit peu de son bouclier. Mais pas beaucoup. Oh. Oh, les dégâts que j'ai fait. C'est incroyable. Oh, je l'ai détruit en 2 secondes, quoi. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Mais il y a mon vaisseau qui s'est excité là, qui s'est rebellé tout seul en mode automatique. Missile. Allez, aussi je le crève. Je crève. Tu crèves. Tu crèves, mon gars, tu crèves. Oh là là, quelle précision incroyable. Regardez ça, sa déchéance là. Alors je suis fier de ce que je fais. Je suis fier du gameplay que je propose. C'est fantastique. Non, je déconne, c'est ridicule. On va aller là-bas. Non. C'est quoi ce bip? Putain. Oh putain, il y a combien d'ennemis? Il y en a encore des trillions là. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. On va se cacher sous la station. Si on peut. Non, non, c'est ce qu'on va faire. Alors, on va être plus malin. On va être beaucoup plus malin. On va essayer de s'échapper. Ok. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Ça c'est une autre question. Allez. Allez. 60%, 70, 80, 90, 100. Oui, magnifique. Toté 9 fuel. Ok, j'ai plus de carburant. C'est ridicule. D'accord. Est-ce que je risque... Ça me met que j'ai plus assez de fuel. Donc, est-ce que je risque de faire des dommages à mon vaisseau? Bah oui, oui, je prends le risque. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Oui, 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 je suis obligé de prendre le risque. Sinon, je crève. Allez, on va aller dans une zone moins risquée. Et je pense qu'on va terminer cette vidéo dans cette zone. Parce qu'il est temps. Oui, toute bonne chose a une fin. What happened here? Oh. What you see around you is the remnants of the conflict between the Colonials and the Oka. First contact led to an escalating series of misunderstandings. Oh. Let's just put it at that. I see. Oh, mais regardez-moi ça là, j'ai tourné ma vue là un tout petit peu et je suis tombé sur cette planète absolument fantastique qui nous rappelle la planète Terre. Oui. Notre belle planète Terre. Et je pense qu'on va finir sur ce secteur-là. Qu'est-ce que je peux y faire? On va. Ah non, j'allais dire on va faire un scan, mais j'ai plus d'équipement pour faire un scan. Je pense que vous aurez eu un bon aperçu du jeu. Je pense que j'ai pas tout vu de ce jeu-là. Je pense que j'ai encore pas mal de trucs à découvrir en allant plus loin dans l'univers. Voilà, dans les runs que je fais.
Bon, je sais pas un skill énorme, donc je vais pas très loin, en règle générale. Et aussi, je voulais ajouter une petite précision, c'est que ce jeu, évidemment, est en Early Access, ça je vous l'ai déjà dit. Mais bientôt, il va y avoir des éléments de scénario, une sorte de mode histoire, enfin un scénario quoi, un semblant de scénario, qui va faire son apparition, et ça, ça va être très cool. Voilà. Donc c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo, les gunfights, tout ça. C'était vraiment très agréable, voilà, de faire cette vidéo là sur ce jeu. Je l'adore. Franchement, ce jeu, il est, j'aime beaucoup. Franchement, il est génial. Il est très prometteur. Et voilà, je pense que je retournerai sur le jeu quand il sera sorti en version définitive. Voilà. Allez, sur ce, à très bientôt et surtout, n'oubliez pas que regarder, c'est bien, mais que jouer, c'est encore mieux. Allez, ciao. Et on finit sur une envolée Super Sonic, si c'est pas bien. T'entends ces bruits là? Oh, oh, c'est quoi ça? Ah, c'est des putains de bébés mal formés là. Oh. Attends, c'est quoi ce monstre?